Aujourd'hui, le but, c'était de faire un atelier pratique de diététique suite à l'intervention théorique d'il y a 15 jours pour pouvoir faire prendre conscience aux joueurs que cuisiner, ça peut être à la fois simple et à la fois productif pour eux hein, en termes de santé, de récupération, etc. C'est pas toujours facile quand c'est des joueurs qui sortent de centres de formation. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous donner un papier sulfurisé, on le mettra au four. On va le faire dorer et cuire. On a déjà eu en fin de saison dernière des commandes de modules à Montpellier, au PSG, avec le module gérer son argent notamment, qui a été demandé deux fois, et les risques du métier. Et puis là, dès le début de saison, certains clubs nous ont commandé certains modules. À Lyon, avec le contrat de travail. Aujourd'hui, le module diététique avec Laval. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que les joueurs sont très réceptifs et puis participatifs. Et c'était l'objectif, d'éduquer les joueurs au mieux, de leur donner les outils nécessaires pour la suite de leur carrière. C'est extrêmement important pour la culture physique, pour la culture culinaire. On sait très bien que ceux qui ont les hygiènes de vie, on va dire, les plus équilibrés, sont ceux qui font la plupart du temps des carrières longues. Donc ouais, c'est vraiment une bonne initiative. Et vraiment, j'encourage tous les clubs et tous les centres de formation à prendre contact avec l'UNFP à ce titre.